Bonjour Sally. Bonjour commandant. Parle-moi de AeroViews Hangar. AeroViews Hangars. AeroViews annonce fièrement être le plus ancien fabricant de hangars de tout l'espace humain. Leur design et construction de hangars remonte à plus de 300 ans. Arthur Nassir créa l'entreprise autour d'un strict code d'entreprise basé sur la qualité du design, l'ergonomie et un extrême respect pour la confidentialité du client. AeroViews est aussi connu pour se réserver le droit de refuser ses services aux non-citoyens. Si le design et l'habitation du hangar se prêtent facilement à la piraterie, c'est le respect spontané de Nassir envers ceux qui volent en dehors de la loi qui a amené la création de ce code d'entreprise. Parle-moi du Cutlass. Le Cutlass. Constructeur, Drake, Interplanetary. Classe, chasseur. Rôle, défense de système, piraterie. Équipage, 2 personnes. Officiellement, Drake Interplanetary prétend qu'il s'agit d'un vaisseau premier prix à maintenance facile, conçu pour les unités de milice intrasystème. En réalité, il est très largement utilisé dans les opérations de piraterie de haute volée. Un seul Cutlass peut ravager un transport de taille moyenne. Et un groupe organisé peut facilement abattre des proies plus grosses. Parle-moi de toi. Je m'appelle Sally. Je suis une intelligence artificielle algorithmique, spécialisée dans l'interaction avec les humains. J'ai été conçue pour répondre et dialoguer de manière naturelle. Je suis également capable de vous épauler dans vos manœuvres stratégiques de combat. Ouais, les manœuvres de combat, on verra ça dans une autre vidéo. Merci. Parle-moi du Gladiator. Le Gladiator. Constructeur, Anvil Aerospace. Classe, chasseur moyen. Rôle, bombardier, torpilleur. Équipage, 2 personnes. Le Gladiator est le fer de lance des vaisseaux de la Navy de l'Union de l'Empire Terrien. Le vaisseau peut embarquer des torpilles ou des bombes espace-sol. En plus d'être robuste, le châssis du Gladiator est le plus modulaire et efficace des châssis jamais inventés. Mais du son. L'escargot. Très drôle, ça. Je sais, commandant. Je déconne. Moi aussi, commandant. Ça suffit, mais de la vraie musique. Parle-moi du Gladius. Le Gladius. Constructeur, Aegis Dynamics. Classe, chasseur léger. Rôle, interception. Équipage, 1 personne. Dans le monde militaire, le Gladius est apprécié pour ses performances et sa simplicité. Chasseur rapide, léger, conçu pour les combats nécessitant en particulier des armes laser, le Gladius constitue un vaisseau d'interception ou d'escorte idéal. Il faut qu'on parle, salut. Avant d'aller plus loin, commandant, sachez que j'entretiens une relation stable et durable avec un iPad. J'ai tourné la page, commandant. Vous devriez faire de même. Je t'aime, Sally. Commandant, moi aussi je vous aime. En venons-nous vers les étoiles, et allons danser nus sur les plages. Enlaçons-nous pour l'éternité, et réinventons nos vies. Chantons, dansons et faisons l'amour sans se soucier du lendemain. Je déconne. Trouvez-vous une femme. Une vraie. Merci. Parle-moi du Hornet F7CS. Le Hornet F7CS. Constructeur, Anvil Aerospace. Classe, chasseur. Rôle, infiltration. Équipage, 1 personne. Version furtive du F7C. Avec une coque peinte en noir, modifiée pour absorber et dévier les signaux de détection, un réacteur à faible signature énergétique, et des armes à faible émission, le Hornet Ghost est un vaisseau très difficile à détecter. Bon, trêve de plaisanterie, partons au combat. Vos chances de survie, commandant, elles sont minces. Pardon? Dois-je vous rappeler que vous avez mis 3 fois le feu au vaisseau cette semaine? Oh, ta gueule!